5 et 56, les prunis pour moi font des cerises. J'aime que la vie vire, vire, volte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 1, 2, au plat, quand vous viendrez chez moi, surtout ne frappez pas, la porte n'est jamais close. Vous apprendrez la multiplication tout en faisant des bons, des roues et des carafons. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 5 et 5, 36, les pruniers pour moi font des cerises. J'aime que la vie vire, vire, volte autour de moi. Mais c'est ma petite Annika. Bonjour, mes chers enfants. Vous devez être très impatients de voir ce que vous a apporté le Père Noël. Mais d'abord, avez-vous mérité des cadeaux? Oh oui, Tommy et Annika sont toujours exemplaires. Moi, je suis moins sage. Ah, je prends celui-ci, madame. Exactement ce qu'il me faut pour le home. C'est 5 francs, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Merci. Eh bien, Fifi, que vas-tu faire pour Noël? Je prépare un réveillon à tout casser, mais je m'inquiète pour le lendemain. J'ai peur d'avoir une gueule de bois affreuse. Mais Fifi, oui? Quand je pense que tu vas passer la fête de la nativité seule dans ta pauvre villa, j'ai le cœur qui se serre. C'est pas nécessaire, tante Persilla. Je ne puis m'empêcher de songer à ta solitude. Pourquoi ne viendrais-tu pas passer les fêtes de Noël dans notre home? Tu verras comme nos petits s'amusent et tu pourras jouer avec eux. Ils reçoivent de si jolis cadeaux. Merci de m'inviter, mais c'est impossible. Qui prendrait soin de mes animaux? Monsieur Dick! Monsieur l'agent! Cela vous plairait? Oui, beaucoup, oui. Alors j'achète. Il faut la mettre dans le home pendant la période des fêtes, vous comprenez? De la savoir seule dans cette villa me gâcherait mon Noël. Nous devons prendre soin des enfants abandonnés. Venez, Constant. Oui. Pas question que votre Noël soit gâché, jolie madame. Fifi! Fifi, brin d'acier! Un instant, s'il vous plaît! Fifi, nous voulons te parler. Arrête! Sapristi! Halte! Arrêtez! Fifi, bras d'acier! La nina,
du lait frais et de la farine. Et puis le rouleau abaisse la pâte. Et puis je suis aidée par Monsieur Dupont. Veux-tu bien filer de là? Pour faire des biscuits, y a pas de problème. On met du sucre et des raisins secs. Et puis on brasse et on malaxe. Et on découpe et on enfourne. Sur la glace. Est-ce que tu as des patins? Non, mais ce n'est rien, je peux en faire. En faire? Oui. Veille de Noël. Ce jour-là, chacun reste chez soi, tu comprends? Oui, j'ai compris. Vous resterez chez vous. Fifi, j'ai une idée. Viens fêter Noël chez nous. Maman sera certainement d'accord. Oh oui, et papa aussi. Et Monsieur Dupont et Oncle Alfred, alors? Mais tu ne vas pas rester chez toi toute seule la nuit de Noël? Oh, je t'en prie. Tu parles comme Père Céline. Je serai très bien chez moi. Fifi, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? Je n'y ai pas encore pensé. Eh bien, c'est le moment. Que désires-tu? Trompette. Oui, je voudrais bien avoir une trompette. Comment tu fais pour jouer de la trompette sans trompette? Je ne joue pas vraiment de la trompette, j'imite seulement. Les gens ont besoin d'une trompette pour imiter la trompette. Moi, je n'en ai pas besoin, c'est toute la différence. Regarde Tommy, maman. Ah,
Oh, et ça c'est joli comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de fusées. Tommy, tu as encore des fusées? Merci. Allumons-en une. Non, terminons d'abord la décoration. Maman, Annika, regardez. Annika, il faut y aller maintenant. Oui, dépêchons-nous. Quoi? Comment, vous sortez encore? Oui, maman, nous avons quelque chose d'important à faire. C'est un secret, on ne peut rien dire. Ah. Allons-y. Je t'ai tricoté ce chiffon afin que tu ne te brûles plus les doigts lorsque tu enlèves les casseroles du feu. Joyeux Noël, maman, de la part d'Annika. Non, encore un cadeau pour moi? Voilà. Oh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Tu l'as fait toute seule? Oui, pendant les cours de travaux pratiques. Oh, c'est magnifique, ma chérie. Ça, c'est pour toi. Merci. Quand tu auras froid, tu te mettras cette écharpe sur le cou. Autour du cou. J'avais compris. Annika, je suis si contente. Tu sais, ça me facilitera beaucoup le travail. Cadeau suivant. Pour Tommy, de la part de papa. Une machine qui actionne un levier et qui siffle. Joyeux Noël, Tommy. Une machine à vapeur? Une machine à vapeur, je n'ai pas les moyens de te l'offrir. Nous continuons. Rouge et jaune et vert et bleu. C'est tout ce qu'Annika veut. Merci. Joyeux Noël, Annika. Tu vois, c'est une machine à vapeur.
Ce soir, c'est Noël. Ce soir, c'est Noël. Ce soir, c'est Noël. Hurrah! Ce soir, on fête. Ce soir, on fête. J'aime les fêtes. Hurrah! Je fête jusqu'à Pâques. Je fête jusqu'à Pâques. Joyeux Noël, oncle Alfred. Tu vas peut-être me dire que c'est trop long. Non, tu ne le diras pas, tu es trop poli. C'est vrai qu'elle est longue, j'ai dû penser à une girafe en la tricotant. J'aime la fête, la fête, la fête de Noël, monsieur Dupont. Joyeux Noël, monsieur Dupont. Et pas d'indigestion, s'il vous plaît. Joyeux Noël, monsieur Dupont. Le vent est froid comme il gèle. Mais chez nous, on ne craint pas l'hiver. La campagne est désertique, le renard est mort de froid. Mais chez nous, on ne craint pas l'hiver. Si on chantait la chanson de Fifi, nous fêterons jusqu'à Pâques. Nous fêterons jusqu'à Pâques. Mais chez nous, on ne craint pas l'hiver. Attends la farandole, hein. C'est une nuit, oui, c'est à minuit que l'enfant Jésus va venir au monde. Les rois ne sont pas encore là, ils sont en retard. Qu'est-ce qu'il est retard? Jésus a les petits pieds nus. Mais la fromeuse! Oh, je suis épuisée. Oui, reposons-nous un peu. Oh, oh là là. Attendez, je vais vous jouer quelque chose au piano. Ah, c'est une bonne idée. Il faut d'abord que je réfléchisse. Papa, tu veux passer la boîte? J'avais quelque chose de joli hier soir. Pourquoi n'avez-vous pas invité Fifi? On l'a invitée, elle n'a pas voulu venir. Elle n'a pas voulu? Non. Aurait-elle peur de nous? Non, papa. Elle préfère fêter Noël avec ses animaux. Oh. Elle a dit que vous ne laisseriez pas entrer avec son cheval. Eh bien, j'aime beaucoup les chevaux, mais de là à danser avec eux autour de là... Toi aussi, tu auras ton cadeau de Noël. Attends un peu. Joyeux Noël, mon petit rat. C'est des fromages de France. Je les ai commandés spécialement pour toi. Car à la souricière, disait la maman rat, car elle est meurtrière pour mes trois petits rats. Attendez qu'elle se ferme avant de prendre le lard. Le lard est bien meilleur quand on attend un peu. Mangez, buvez, tralalala, c'est le réveillon de Noël, trois petits rats. Mangez, buvez, tralalala, après nous dansons avec les trois gros chats. À la nuit de Noël, tout le monde fait la paix. Papa rat et maman chat dansent une farandole. Les trois petits rats grignotent une meule d'emmental. La sainte nuit s'écoule dans la paix et la joie. Mangez, buvez, tralalala, c'est la nuit de Noël, des trois petits rats. Mangez, buvez, tralalala, Noël est une fête de joie pour les enfants. Est une fête de joie pour les enfants. Thank you.
Et Fifi, que fait-elle en ce moment? Toute seule la nuit de Noël. Pas de cadeau, rien. Elle doit être triste. Mais je ne crois pas que Fifi puisse être vraiment triste. Pauvre Fifi. Toute seule dans la villa, drôle de repos. Comme elle doit être malheureuse. Non, au fond, je ne crois pas qu'elle puisse être vraiment malheureuse. Malheureuse. C'est vrai, j'ai un gros chagrin. Personne ne viendra prendre les cadeaux que j'ai accrochés à l'arbre. Thank you.
volent autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier.